Grand Laou, c'est une ancienne préfecture coloniale sur le littoral de Côte d'Ivoire. Ghanéens, Togolais, Maliens, Nigériens et bien d'autres y ont rejoint les fils du pays. Pêcheurs, planteurs ou commerçants, animistes, musulmans et chrétiens s'y côtoient. D'une rue à l'autre, on change d'ethnie, de langue, de religion. David est un des guérisseurs du village. Tout à l'heure, il consultera dans sa cour. Mais il est aussi membre de l'église Ariste, une des nombreuses églises africaines d'inspiration chrétienne qui sont installées à Laou. Plusieurs fois par semaine, les Aristes processionnent dans la grand-rue. Ce matin, avant la consultation, David procède aux ablutions et purifications rituelles de ses malades. Il est aidé de ses assistantes, qui sont d'anciennes patientes. Ready?
Allez, on est bien. Ah ouais, non, David utilise une pierre magique que son génie familier lui a procurée. Elle est tombée du ciel un soir d'orage, dans la cour de l'église Ariste. Le génie a montré à David où il la trouverait enterrée. Les malades qui attendent viennent parfois de loin. Certains habitent dans sa cour le temps du traitement. Les consultations ont lieu tous les mercredis et vendredis matin. En fin d'après-midi, tous les patients se rendront au lac voisin, là où réside le génie protecteur de David. Pour connaître le mal qui frappe le petit Cossi, David se sert de sa pierre magique et d'une bougie. Cette pierre symbolise son pouvoir. Ainsi peut-il communiquer avec les esprits. Nombre des accessoires qu'il utilise se retrouvent chez d'autres guérisseurs, comme bougies, œufs, talc, kaolin, bière, plantes. Mais chacun les utilise à sa façon, avec son propre rituel. David connaît maintenant l'origine de la maladie de Cossi. Sa mère, qui est morte en couche, veut qu'il vienne la rejoindre dans l'au-delà. David, tout en soignant Cossi, tentera plus tard de convaincre l'esprit de la mère de laisser l'enfant tranquille. Pendant ce temps, dans la cour, Blaha présente les premiers signes d'une transe. Un génie inconnu veut s'exprimer à travers elle. Blaha se rend auprès de David, qui va tenter d'instaurer un dialogue avec ce génie. Voilà.
Nous avons dit que 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 nous avons dit Eh ya iba dare. Ayi wa jere ka beti. E to bu ti ta ti. Eh ma pe. E ko ibu na bre. Ma ko tana ti de ma pe. Ko na. Ajwa mi ni beti avan ni bushi. Ni bushi ka ma janu. La no. Ka e ka zuru, e si zuru we yo ka ma lo le. E si zuru ya wa so ya de wu. Ta ya no ara ka to me san. Buru buru no. Ba. Eh. Ça fait donc il y a baltan et là 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 et plein de belles j'ai annoncé à toi là là doit tant que les yeux là j'ai dit j'en ai même j'ai poussé ma soutenir moi n'y a comme à l'union de la non oui ma lion de la note attend 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 la flèche de moi là Il est en train de soigner. Victorine est aussi guérisseuse. Il est en train de soigner. Elle regarde les images tournées chez David. Victorine soigne autrement. Autrefois, elle s'occupait aussi des génies, mais en organisant, à la différence de David, des danses rituelles de possession. Sous la pression d'un curé, elle a abandonné. Elle ne soigne plus qu'à l'aide de plantes. Ça veut dire la fille qui est avec lui là, il tremble quoi. Donc il entend de pardonner son ingénie là. Ça là, on lave ça bien. On lave ça bien et puis on fait ça. On enlève. Ou si y a ton zier qui te gratte beaucoup, on fait et puis on met dessus. On met dans la narine. Si on fait, si tu as l'enfant, si sa tête est fondue, on prend ça, on fait médicament et puis on lui met, sur son, sur sa tête là où est fondue là. Oui, ça. On prend, on fait. Si le dain est gonflé, on met ça dans le canari et puis tu mets pour nettoyer, tu verses, tu fais, tu verses. Là, quand ça fait mal, là, ça attrape. Maintenant, tu fais médicament là et puis tu mets dessus. C'est comme ça, ça soigne. Ça soigne beaucoup de choses. Je travaille chaque vendredi. Et chaque mercredi. Mais maintenant, j'ai changé. Je fais. J'ai pris d'habitude, je fais, mais maintenant, je vais à l'église, je fais renouveau asthmatique. Donc, si quelqu'un est venu, je lui donne le médicament, il s'en va faire. Mais façon qu'avant, je tape le tam-tam que j'ai dans, là, j'ai cessé. Maintenant, je prie et puis quelqu'un vient, je soigne comme ça. Même sur un chemin qui mène à la croix. Dans Wazuzu, toi Yolou, toi là Wazonyavazu. Au lieu de courir vers des fétiches qui ne nous rapportent rien, des fétiches qui envoient la division dans nos familles. Oh, la croix,
On peut dire le Saint-Esprit, c'est comme le vent qui souffle. Quand il vient sur toi, tu le vois pas, mais quand même, ça vient. Il travaille pour toi, tu le vois pas. Le Saint-Esprit, il peut te sauver, mais tu le vois pas. C'est comme Eugénie, mais c'est Dieu même, Saint-Esprit même qui a créé Eugénie. C'est lui qui a créé. Donc, c'est comme il a donné, lui-même il a créé Diable, que c'est son premier travail qu'il a fait, Adam, Ève. Donc, il a tout créé, comme il a tout créé, mais c'est lui qui commande tout. Donc, le Saint-Esprit même, ça peut descendre sur quelqu'un. Façon que les choses, comme on dirait, fait pas, façon que les génies tremblent. Selon les différentes églises, et il y en a beaucoup à Laou, le rôle du Saint-Esprit varie. Parfois, il fait entrer les fidèles en transe et procède à des guérisons lors des cultes dominicaux. Les pécheurs fantis de Laou ont leurs propres églises, fondées par des prophètes guérisseurs venus à leur suite du Ghana, comme ici Tongo. I believe in Jesus Christ because when I started my life, well, I started going to church, and through that, I had some visions about Jesus Christ, and I got to believe in Him. Why? Because some time ago, just about 15 years ago, in fact, I could remember that I was praying with my friend, who is a girl, and all of a sudden, we break the friendship. Don't know, he was very annoyed of me. He went to Bosom and took a black medicine and put it in the food for me to eat. Later on, I was about sick. So I prayed to Jesus Christ and he healed me. There I started to trust him because he's very good to me. Of course, some of the companies pray to gods in the Bosom. Yeah. Well, so the Bosom also helped them to make good catch of fish. Uh-huh. Yeah. But when you pray with Jesus to Jesus Christ, no matter we use candles, incense to make our prayers. But those who use bosom, they use slaughter of goats, sheep, fowls, you know, that's an offering to the gods. What's the baby? Babrawaga, Baba Kurevia, Kurevia Iboka Chakra, Kurevia Iboka Chakra. Blaise Brou est un autre guérisseur du village. Une de ses spécialités, c'est de traiter avec le génie de l'embouchure. Il lui demande parfois sa protection, à l'aide d'invocations et d'offrandes, à la demande des pêcheurs.
Donc, je ne peux pas regarder pour mon camarade pour m'aider dessus. Mais en tout cas, il y a beaucoup de guérisseurs qui travaillent pour voir le nom, pour qu'il y ait beaucoup de gens chez eux. Il y a un travail comme ça. Donc, ce qu'il est en train de faire, qu'il travaille, c'est ça. C'est ça. Dans la rivière, là, il y a un Kukudi là-bas. En fin d'après-midi, ce même mercredi, les patients de David partent vers le lac Sacré, à côté du village. Au même moment, peut-être, la chorale protestante répète, d'autres guérisseurs consultent, le curé confesse, une procession ariste se prépare et les musulmans font leur prière. David traite à nouveau le petit Kossi, que sa mère décédée veut rappeler à elle. Il demande au génie du lac d'intervenir auprès de la mère. Adjama Waon a 16 ans. Elle est très malade. Elle est accusée d'avoir rompu des interdits sexuels. D'autres disent qu'elle a été violée et d'avoir participé à des actions de sorcellerie. David la soigne depuis maintenant une quinzaine de jours. Quelques jours plus tard, de plus en plus malade, Adjama sera conduite à l'hôpital. Elle mourra le jour même d'anémie. On découvrira aussi qu'elle était enceinte et qu'elle avait tenté d'avorter. David nous explique. Le lac Sacré abrite un génie qui prend parfois la forme d'un crocodile. Un missionnaire français, le père Vandik, l'a baptisé et lui a donné le nom de Saint-Joseph. Désormais, le génie est devenu un homme de Dieu. Désormais, il ne fait plus le mal, il ne fait que du bien. C'est pour cela que je travaille avec lui. Le crocodile, si je l'appelle, apparaît tous les 28 décembre, le jour de sa fête. Il porte un miroir au sommet du crâne.
c'est pour ta mère. Jésus, c'est pour nous, mais oh, gloria à Jésus, c'est pour nous, mais oh, gloria à